bonjour à tous. Donc, je m'appelle Yumna Ovadza et je suis vice-présidente de Ipsos Stratégisserie, qui est l'entité de conseil en stratégie marketing et innovation d'Ipsos. Bonjour, je suis Yann Poinsnet, BNP Paribas. Je pense que vous connaissez l'entreprise. Je dirais simplement que je travaille en innovation depuis une vingtaine d'années et qu'aujourd'hui, je travaille sur l'innovation pour BNP Paribas hors zone euro, donc dans des métiers, dans des pays très très différents qui vont des États-Unis à la Turquie avec plein de cultures différentes. Voilà. Et à mes collègues BNP Paribas qui sont peut-être dans la salle, je dirais je partagerai mon expérience, si vous permettez, et pas bien sûr tout l'éventail de possibilités de l'entreprise. Oui, pareil. Alors, on va vous présenter, en fait, on va partir d'un cas, d'une illustration concrète qu'on a eue récemment dans le cadre de notre activité avec un client, que je vais partager avec vous pendant 5-6 minutes, à peu près. Et Yann va rebondir dessus, parce qu'on a trouvé que ce qui était intéressant, à partir d'un sujet comme celui-ci, c'est d'essayer de vous donner un angle très précis. Donc, le sujet est très large, on peut en parler de manière assez large. On a choisi un angle particulier, mais à partir de cet angle particulier, on pense qu'on peut tirer des enseignements assez généraux. Et Yann va rebondir dessus pour illustrer ça à la hauteur de sa longue expérience d'innovation au sein de la BNP. Alors, le cas dont on va parler, en fait, pour expliquer le contexte, il faut comprendre qu'on va se placer du point de vue d'Ipsos, mais ça concerne à la fois nous en tant que grand groupe et à la fois nos clients. Parce qu'en fait, Ipsos, en tant que société d'études internationales, présente dans 90 pays, accompagne de grands comptes dans leur processus d'innovation. Et donc, en fait, on est partenaire assez intime de la manière dont les grands groupes, les annonceurs, etc., développent leur processus d'innovation, font évoluer leur processus d'innovation et valident leurs innovations avant de les lancer. Et donc, la manière dont ces grands groupes font évoluer leur manière de fonctionner nous impacte directement. Parce que d'une part, quand les clients ou les annonceurs sont challengés par les startups, par le numérique, et qui sont obligés de changer leur manière de faire, ça veut dire changer aussi toute la manière de tester, de valider les innovations, et donc ça nous impose de changer nos manières de faire. Alors je ne vais pas parler au nom de tout Ipsos, parce qu'il y a effectivement en interne plein de méthodes différentes agiles qui se développent, mais c'est plutôt illustrer la manière dont du coup on va collaborer avec des startups pour intégrer leur manière de travailler, et le faire d'une manière qui va faire changer nos méthodologies et de ce fait changer la méthodologie des clients. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté double axe. Alors le contexte en particulier que je vais illustrer, c'est plutôt en fin de processus d'innovation. Donc là on n'est pas sur l'amont, on est plutôt dans le cadre des innovations qui se rapprochent du lancement sur le marché. Ça s'applique aussi à des contextes de développement publicitaire parce qu'on est un peu à la frontière. C'est plutôt le sujet. Une fois qu'on est proche du lancement, toute la période, souvent assez difficile et compliquée, d'optimisation du mix avec les agences, comment on trouve le bon discours, la bonne promesse, le bon angle d'attaque, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, etc. Et ça, ça peut prendre souvent assez longtemps. Et c'est dû à une chose principale, c'est que même si les méthodes se développent, qu'on fait des choses agiles, rapides, en 2 jours, en 3 jours, en faisant travailler plein de continents et de pays en même temps, la matière sur laquelle on travaille, c'est souvent le test de concept. Et le test de concept, c'est quelque chose qui est très statique. Donc en fait, on a du texte, éventuellement des schémas, des illustrations, des visuels. Mais les gens qui sont exposés à ça ont beaucoup de difficultés à se projeter concrètement. Ils ont du mal à vivre l'expérience réelle. Donc le sujet, le problème auquel on est souvent confronté et nos clients sont confrontés, c'est de dire... On voudrait pouvoir changer nos manières d'innover, mais à un moment donné, comment on fait pour embarquer plus vite, plus tôt nos clients, d'une manière très concrète, tout en ayant quand même des protocoles ou des manières de fonctionner qui peuvent s'adapter dans plein de pays dans le monde. Et du coup, le challenge, c'était de dire comment on va faire vivre aux consommateurs une expérience réelle, l'expérience la plus réelle possible, en amont de l'agence de com ou de l'agence média. En fait, on est allé, effectivement, à partir de ce problème, on est allé chercher des startups spécialisées dans le growth hacking, par exemple, et on a essayé d'adapter ensemble un principe qui, en anglais, se résume par « fake it till you make it », c'est-à-dire on simule jusqu'à ce qu'on arrive à, jusqu'à ce que ça marche. Et le principe ici, c'est souvent, comme vous le savez, les startups en fait, communiquent sur leurs produits ou leurs offres, souvent avant que même le produit soit prêt. C'était d'ailleurs une méthode de dire, effectivement, on fait des sites web, on communique, avant même que l'offre soit prête, et c'est finalement, selon les retours des gens et leurs réactions, qu'on améliore ceci et qu'on va développer la meilleure offre. On a appliqué ce principe-là
avec une start-up qui s'appelle Germinal, d'ailleurs, certains peuvent connaître, parce qu'on a gagné un trophée récemment ensemble, donc le mérite leur en revient aussi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a transformé toutes ces méthodes de test de concepts d'innovation en mini-campagnes médias. C'est-à-dire qu'au lieu, vous, consommateurs, au lieu de venir ou de tester quelque chose de statique, ben en fait, finalement, vous allez être exposé à une étude, hein, on n'est pas du tout dans le cadre de com, mais en étant sur Facebook, par exemple. Vous allez voir une pub, vous cliquez sur la pub, vous allez arriver sur un site web. Et ben, si vous avez cliqué sur la pub, vous avez lu à peu près ce qu'il y a sur le site web, vous avez été exposé à l'ensemble du concept. En fait, on transforme ces concepts-là en sites auxquels on associe plein de bannières. Ce qui est intéressant, et pourquoi c'est différent d'une campagne classique, c'est qu'on ne fait pas des grosses campagnes, on fait des mini-campagnes, mais avec plein d'itérations et de combinaisons différentes, et on fait des sprints. Donc en fait, on a adapté, du coup, ensemble, les méthodes de travail dans l'informatique ou autre, etc., à une méthode de test dans le cadre de l'innovation. Donc là, par exemple, pour vous donner une idée des coulisses, si on a au départ deux concepts différents, chaque concept devient un site web auquel sont associées 50, 40 bannières différentes qui ont chacune des angles d'attaque différentes, promesses, bénéfices, angles, etc. On fait des mini-sprints, on cible les gens qu'on veut de manière très précise et sur la base de résultats comportementaux, de clics, de cartes de chaleur, d'analyse sémantique de contenu ou autre, on optimise. Et après, on repart sur un sprint 2 avec un matériel optimisé jusqu'à trouver les meilleures combinaisons. Et ces meilleures combinaisons, par contre, ce ne sont pas des campagnes, c'est le meilleur brief pour l'agence de com ou pour l'agence de médias ou autre. C'est-à-dire que c'est presque un brief en 3D que l'agence va prendre. Et du coup, en fait, sur toute la fin du cycle d'innovation, on a adapté des manières de fonctionner qui sont complètement différentes de ce qui existe aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, et pour donner la parole à Yann, au-delà de ce que j'ai mis ici, je pense qu'il y a deux, trois choses qui sont très intéressantes et qu'on peut généraliser. La première, c'est qu'en fait, nos manières de travailler avec ces startups parlent d'un problème. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique d'injonction où, en tout cas, on se dit « il faut qu'on travaille de manière agile, il faut qu'on travaille avec des startups », mais plutôt, on a des clients qui ont un problème, on cherche à le résoudre. Si on n'a pas la solution en interne, on va regarder s'il y a une startup qui peut nous aider à le faire, on va travailler ensemble pour le résoudre. Et ça change l'état d'esprit, parce que quand tout le monde a envie de résoudre le problème, y compris le client, mais du coup, on se met dans un mode de collaboration qui est différent, parce que si la méthode pour résoudre le problème est plus agile, est plus itérative, etc., tout le monde s'y met ensemble. Donc on n'est pas dans une logique d'injonction, mais plutôt de partenariat, et ça, c'est vrai que c'est très intéressant, et ça peut s'appliquer à beaucoup de sujets. Et le deuxième angle, et après je te laisse la parole, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte de la valeur ajoutée de l'intermédiaire. C'est-à-dire qu'en fait, le rôle que nous, on a joué, finalement, a été un rôle tampon. C'est le fait d'avoir un intermédiaire qui, entre la start-up et le grand compte, permet à la fois de connaître les habitudes des deux, d'avoir la culture des deux. Alors, à titre personnel, j'ai passé 17 ans dans le numérique, dont 8 ans dans des start-up, donc je connais bien les deux facettes. Mais effectivement, fait un rôle effectivement tampon qui fait que c'est le meilleur des deux mondes en fait, qui fonctionne. Et une autre chose qu'on trouve intéressante aujourd'hui, c'est plutôt de se dire, plutôt que d'avoir peur de ces gens-là ou de se dire il faut qu'on fasse comme eux parce qu'ils vont tous nous dépasser, c'est plutôt de travailler sur les forces des uns et des autres. Et en fait, nous, on a vraiment pensé à additionner nos forces ensemble. Et c'est ça qui, je trouve, était intéressant et qui a créé la valeur ajoutée au final, au-delà d'un simple processus d'agilité pour l'agilité. Alors Yann, qu'est-ce que ça t'inspire ? Alors moi, ça m'inspire qu'on vient de loin quand même. Enfin, c'est pour ça que je disais que ça fait 20 ans que je travaille sur ce sujet, pas pour dire que je suis un vieux, mais enfin, ce qui est assez vrai d'ailleurs. Mais en fait, parce qu'il y a à peu près 15 ans, on voyait les startups comme des petits poussés. Nous, grandes entreprises, on n'était pas du tout calés dans les modes de production et on avait tendance à les étouffer. Enfin, en tout cas, c'est l'expérience que moi j'en ai eue dans les entreprises que j'ai vues. Et on a eu différentes phases. Ensuite, on a eu la phase... Ah, tout est beau, tout est magique chez les startups, l'innovation est chez elles, et puis du coup en interne on s'est un peu appauvri aussi. Et là je crois qu'on arrive, et merci aux startups, merci aux grands groupes, on arrive à une phase de maturité je pense dans la relation, où on s'enrichit mutuellement. Voilà, et les partenariats se normalisent et on produit ensemble. Alors tout ça ne se fait pas forcément facilement. Ça nécessite de s'accorder sur les méthodes, de s'accorder sur le cadre.
On a créé un Startup Engagement Kit pour fixer entre guillemets le cadre légal de coopération. Mais ça veut dire aussi s'entendre sur les outils. Et à travers ça, nous, on va beaucoup apprendre. S'entendre sur les outils. Alors, comment ça se passe concrètement, pardon? En fait, par exemple, on va prendre des projets innovants qu'on a en interne, mais dont on ne dispose pas de la technologie. Et donc, la technologie, elle est peut-être justement sur ces startups. On va appeler un intermédiaire qui va nous dire, s'il vous plaît, repérez-nous dans le monde entier des startups qui savent faire, natural language processing, par exemple. Ces intermédiaires vont nous proposer des startups, on va les demander de venir chez nous, elles vont pitcher. Elles vont pitcher sur comment elles peuvent répondre aux besoins aux clients avec leur méthode. Et ensuite, on commence à travailler avec, pour nous, ce qui est des méthodes nouvelles. Et ces méthodes nouvelles, on les voit de manière tellement efficace qu'on va essayer de les généraliser en interne. Alors, méthode, ça veut dire quoi? C'est notamment la façon dont on va éviter de faire un cahier des charges complet pour ensuite délivrer dans 12 ou 16 mois, mais plutôt on va travailler par sprint à la construction de la MVP. Cette agilité, on aperçoit qu'elle va nous aider à délivrer plus vite, aller vite tester les hypothèses, donc act fast, fail fast, et ensuite de mieux générer nos budgets, c'est-à-dire là où on pourrait dépenser 100 000 euros, n'en dépenser que 10, et puis éventuellement après un demo day, après des premières vérifications, on ira plus loin. Ça, on a vite perçu l'intérêt, et donc on s'est dit qu'il faut qu'on diffuse ça en interne. Et une des premières façons de diffuser, ça a été sur, bien sûr, les projets innovants qu'on gérait nous-mêmes, mais aussi à travers l'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat, ça a été cité ce matin par un collègue de L'Oréal comme une façon de mobiliser les collaborateurs internes, de chercher l'innovation, mais pour nous aussi de diffuser ces méthodes vis-à-vis des collaborateurs. En sens que apprendre l'agilité, apprendre à pitcher, apprendre à prototyper, finalement, ce sont tout ça des outils qu'on a appris auprès des startups qu'on voudrait voir se diffuser en interne. Ça serait fabuleux si le directeur financier savait pitcher ses résultats financiers en 3 minutes. Vous êtes d'accord? Merci. Ça, c'est des méthodes. Ça serait fabuleux si, lorsqu'on lance un produit, on commençait par le prototyper et on allait chercher du feedback auprès des clients avant de lancer un développement. Voilà. L'intrapreneuriat, c'est une chose. Ensuite, ça, pour aller plus loin, il nous a fallu sensibiliser les managers. Chez BNP Paribas, on prend conscience que non seulement il faut se transformer vis-à-vis de nos clients, mais il faut qu'on se transforme de l'intérieur. Et donc, on bâtit une réflexion autour de tout ce qu'on appelle une new ways of working, une nouvelle façon de travailler. Et ça passe par, dans un monde digital, par prendre des décisions plus vite, peut-être plus petites, sur tester des choses, être en empathie. Voilà. Encore une fois, ce sont ces méthodes-là. Donc, on va organiser des campagnes de sensibilisation de COMEX. On va les faire toucher du doigt ce que c'est que la réalité de faire de l'idéation ou de l'incubation. Par les entrepreneuriats de formation, sensibilisation, on va aussi faire venir des startups nous raconter leur histoire. Pareil, c'est pas pour dire ce sont des inventeurs géniaux, c'est simplement pour dire ils ont des méthodes de travail auxquelles on a intérêt à s'intéresser, tout simplement. Voilà. Donc tout ça, ce sont pour nous des méthodes de diffusion de ces façons de travailler. Ce sont donc aussi des diffusions d'un nouveau état d'esprit. Encore une fois, penser agile, ne pas avoir peur de l'échec. Construire petit et non pas la voiture, mais vous savez, c'est la fameuse trottinette. On a tous en image l'idée d'abord pour construire un engin de locomotion, il vaut mieux construire une planche à roulettes, peut-être une trottinette, peut-être à la fin de voiture, mais en tout cas pas designer la voiture. Ça, il faut l'expliquer en interne. C'est des nouveaux outils. On va parler de Business Model Canva, on va parler de MVP, de backlog, et tout ça, c'est des mots très techniques, mais qu'on va remplir souvent. Donc tout ça, il faut qu'on comprenne. Et encore aujourd'hui, on a un peu de mal à expliquer à nos managers ce que c'est qu'un MVP. Pour vous dans la salle, c'est peut-être évident, c'est ce que c'est qu'un minimum viable product. Un de nos managers va dire, c'est génial, en 4 mois, vous avez délivré quelque chose, on va pouvoir le lancer tout de suite. Je dis, non, attendez, c'est fait pour tester des hypothèses. Si ça marche, le client est d'accord, on trouve que c'est viable, peut-être qu'on le lancera, mais ce n'est pas fait pour ça à l'origine. Et donc, on a encore un travail d'acculturation à faire qui est assez profond auprès de notre top management.
Voilà. Alors, comment est-ce que vous avez aussi cette réflexion vis-à-vis de vos clients? Comment est-ce que vous abordez cette phase d'acculturation? Alors, ce que je vous ai présenté n'est pas un monde idéal, hein, dans lequel tout fonctionne parfaitement. C'est plus des cas intéressants, récents, qui nous ont permis d'expérimenter des choses. Mais effectivement, après, ça ne veut pas forcément dire que ça remet en cause toutes les manières de fonctionner. Ce que tu disais, ce qu'on trouve intéressant, c'est plutôt que ça amène un certain pragmatisme. C'est que les gens ne sont plus dans le fantasme ou l'idéologie, mais plutôt de se dire, en fonction d'une problématique ou d'une situation, on est capable de mobiliser des méthodes, des manières de travailler, etc. Après, nous, en tant qu'entreprise, on a aussi les mêmes problèmes que nos clients. Donc, effectivement, on met en place plein de choses, des méthodes nouvelles, des formations pour accompagner les gens, des manières de les tester. Ça, c'est pareil partout. Je pense que la différence, après, en fonction du type d'entreprise, c'est quand on est un industriel ou quand on est une banque ou quand on est une entreprise de service, la flexibilité n'est pas la même. Effectivement, c'est beaucoup plus simple, quelque part, quand on est dans le service, parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus intangible, mais du coup, on peut tester plus facilement des méthodes. Et on est aussi tiré par nos clients B2B. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est peut-être différent. Vous, c'est plutôt les clients B2C. Donc la relation, l'approche, il n'y a pas que du B2B. Non, il y a aussi des corporates aussi, mais effectivement, on est très orienté client, enfin, finaux, hein, consommateurs finaux. Donc, et c'est ce qui nous facilite aussi, d'ailleurs, le travail avec les startups, c'est que souvent, elles ont des offres clients finaux, en fait. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est plutôt comme tu l'as dit au début, c'est en fait comment basculer d'un mode qui est moins une injonction ou une obligation ou un rapport de force à un mode de collaboration où les deux ont le même intérêt final. Une logique d'arriver à trouver une logique de partenariat commercial, ce qui n'est pas évident parce que les différences de taille font que parfois il y a des rapports de force. Mais finalement, pour que la méthode marche, en fait, ce n'est pas la méthode en tant que telle qui est importante, c'est plutôt... On est d'accord sur un objectif, on veut résoudre ce problème. Pour arriver à cet objectif, il faut travailler de cette manière et la méthode s'impose un peu d'elle-même. Et c'est plutôt ça que je trouve intéressant. Alors après, il y a toujours des contraintes, mais effectivement, ça, c'est quelque chose qui est plus pragmatique, mais qui, au final, parfois, fonctionne mieux que des programmes plus rigides. Et comment, des collègues de la com diraient, on est sur un discours de preuve, c'est-à-dire qu'en fait, quand on accompagne avec ces méthodes agiles, du scrum, voire même du design thinking, on accompagne des projets et qui délivrent quelque chose, on communique largement dessus, on va faire des demo days auprès du top management qui va se rendre compte de la réalité de ce qui est produit en si peu de temps, de l'utilité, et qui du coup va s'intéresser aux méthodes derrière. Et ensuite, s'engage des réflexions sur ce que ces méthodes, on ne peut pas les appliquer à d'autres domaines, la prise de décision, dans des domaines plus de management d'équipe aussi. On va parler peut-être que le sprint, c'est le weekly sprint, cette réunion hebdomadaire hyper brève, c'est peut-être aussi un bon réflexe à avoir dans le management des équipes au quotidien. Donc voilà, ça se diffuse largement en fait, aussi grâce à ce type de réflexion. Alors maintenant, pour pouvoir arriver à ça, il faut encore avoir des bonnes ressources et des bons outils. Là aussi, on va être en quête de chercher de nouveaux profils. Il va falloir qu'on forme des Scrum Masters, il va falloir qu'on forme qu'on trouve sur le marché des DevOps, qu'on n'a pas forcément en interne. Enfin, il y a des tas de nouveaux métiers qu'il faut identifier ou former des gens. Et là, le bas blesse un petit peu quand même. Hein, je veux dire, on n'a pas une population de start-upers. Parfois, les start-upers n'ont d'ailleurs pas envie de venir dans les grosses entreprises comme les nôtres, il faut qu'on se le dise. Mais donc, il faut que... si, même chez nous, pourtant. Non. Mais, voilà. Attends qu'ils vieillissent un peu. Voilà, donc il faut qu'on trouve, et puis aussi il faut que l'outillage derrière suive. Pour Microsoft, mais les gros SharePoint très lourds, les grosses méthodes, CMMI, enfin je ne sais pas si le nom qui vous parle, mais ne sont pas forcément adaptés à ce mode de fonctionnement agile. Donc il faut qu'on prépare le terrain, et nous on va regarder, on va s'inspirer de méthodes, d'outils, alors je vais en citer quelques-uns, peut-être que ça vous parlera aussi, comme Trello, comme WhatsApp, comme Slack. Même si ce n'est pas des outils de la banque aujourd'hui et que parfois on a un peu de mal, j'espère qu'il n'y a pas de collègues dans la salle qui m'entendent, mais réglementairement, on ne devrait pas aller trop dessus, mais on dit qu'on les teste pour qu'ensuite ça puisse inspirer et que ça fournisse un cadre de travail satisfaisant. Si les outils ne sont pas là, ça ne sert finalement pas non plus à grand-chose, c'est plutôt déceptif. Donc ça constitue en fait en soi une des limites. Et puis aussi, puisqu'on parle de limites, je ne sais pas quelles sont vos limites à vous, mais... La question que je me pose, c'est est-ce que ces méthodes agiles sont applicables à tous les domaines de l'entreprise?
Voilà. Peut-être que je vous renvoie à cette question. Est-ce que vous avez peut-être vous-même des questions, envie de réagir là-dessus? Pour vous, est-ce que vous voyez que ces méthodes agiles, dans votre expérience ou dans vos idées, elles s'appliquent à tout? Est-ce que vous verriez transformer une entreprise comme ça? Personnellement, j'ai pas de, on serait intéressé de connaître vos réactions là-dessus. Non? Si? Il y a quelqu'un qui a envie de... Bon. En fait, moi, les limites, j'en vois par rapport, je dis, aux outils, au mindset et tout ça. On voit qu'il y a des gros... Quand ça ne touche pas à notre, ce qu'on appelait le core banking system, c'est-à-dire le système nerveux de la banque en termes de IT, on peut faire de l'agile quand c'est périphérique. Quand on discute avec des gens de la DSI, ils nous disent, là, on est dans le noyau, et là, il faut prendre des grands développements parce que c'est très complexe, il faut qu'on revienne à la notion de cahier des charges, et puis après qu'on rentre avec une MOA, une MO et tout ça, dans 16 mois de production. Et là, on a vraiment des difficultés. Moi, je peux donner un exemple de limite et clore là-dessus. Nous, par exemple, c'était dans un ordre plus intangible. En fait, quelque chose dont le client s'est rendu compte en travaillant ensemble, c'est que ça les mettait dans une configuration à laquelle ils n'étaient pas du tout habitués, c'est-à-dire le fait d'être dans une équipe restreinte avec des représentants du marketing, de l'innovation, des études, et de devoir valider très rapidement, donc reporter à leur comité de direction très rapidement. Ils se rendaient compte que c'était hyper compliqué à gérer pour eux, en fait. La difficulté n'était pas tant de notre côté ou du côté de la start-up, ça remettait en cause des boucles de décision et des fonctionnements qui étaient très complexes, et donc ils ont réussi à le faire à la hauteur de ce projet, mais le faire de manière permanente nécessiterait chez eux de revoir complètement leur gouvernance. Et ça, ce n'est pas évident non plus. Donc effectivement, après, c'est pour ça que je dis, c'est plutôt, ça leur donne des idées de la bonne utilisation au bon moment, ça ne veut pas forcément dire évolutionner l'ensemble de l'entreprise. Merci. Merci.